Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online en dernière mise à jour 1.68. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, 150 likes en moins de 24 heures. Donc n'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire le combien de likes vous êtes. C'est très très important pour avoir des lobbies sur GTA 5. Si jamais vous voulez des sharkards ou des lobbies, voilà, 150 likes en moins de 24 heures, c'est le record du jour. Plus vous likez, plus vous avez de chances de gagner des lobbies. Bien sûr, spammez dans l'espace commentaire vos pseudos de console, que vous soyez sur Xbox, PlayStation, il n'y a vraiment pas de souci au niveau de ce point de vue là. Donc voilà les gars, on se retrouve pour un tout nouveau glitch. Comme je vous l'ai dit, mettez vraiment dans l'espace commentaire le combien de likes vous êtes. Si vous êtes le 50e, bah voilà, vous mettez je suis le 50e avec votre pseudo. Si vous êtes le 100e, vous mettez le 100e. Si vous êtes le 1000e, il n'y a pas de souci. Voilà, vous mettez comme quoi vous êtes le combien de likes avoir mis sur cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un gros glitch pour les pauvres. Vous allez voir, ça serait vraiment incroyable. Un glitch de duplication sur GTA 5 Online. Bien sûr, n'hésitez vraiment pas à partager la vidéo à tous vos amis et j'espère que vous avez passé un très très bon réveillon et un Noël. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel cadeau vous avez eu. Franchement, ça fait plaisir. Aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer tout ça. Comme je vous l'ai dit les gars, 150 likes en mode de 24 heures, c'est le record du jour, c'est vraiment hyper important. Donc tout simplement, pour ce faire, il y aura vraiment un prérequis à avoir, tout simplement, enfin des prérequis pardon. Il vous suffira d'avoir des centres d'opération mobile, c'est vraiment super important, d'accord les potos. Donc en 2024 bientôt, il y a tout le monde qui a un centre d'opération mobile. Il vous faudra une Elegy RH8 et un poteau à vous pour tout simplement dupliquer son véhicule, d'accord. Donc en soi il a besoin de rien faire, mais vous allez voir, c'est vraiment hyper important. Donc une fois que cela fait, il vous faudra mettre votre centre d'opération mobile comme moi dans la vidéo, donc c'est super important, en face du casino. Il vous faudra également tout simplement un poteau pour qu'il vous ramène un véhicule. Donc moi perso, on va tout simplement dupliquer la T20. Vous pouvez voir que j'ai 74 milliards de dollars. Franchement j'ai pas énormément besoin, mais au moins je vous montre comment réaliser ce glitch en toute tranquillité et sans prétexte. Donc tout simplement, vous allez vous diriger tout simplement avec votre ami au DLC casino, c'est à dire en face du casino, d'accord. C'était pendant tout simplement le casino, donc dehors vers le parking, c'est vraiment super important. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans le centre d'opération mobile avec votre ami. Donc comme vous pouvez le voir, il y a toujours la neige, donc n'hésitez pas à partager la vidéo au maximum à tous vos potos pour que vous puissiez faire le glitch. Donc là vous allez tout simplement entrer seul dans votre centre d'opération mobile et vous avez pu voir tout simplement que j'ai la Elegy RH8 dans ce centre d'opération mobile. Du coup c'est bien le mien. Donc voilà, il faudra tout simplement un dépôt de véhicule personnel, je pense que vous avez l'habitude, d'accord. Donc c'est vraiment super important. Donc là vous allez tout simplement sortir avec votre véhicule, d'accord, avec votre Elegy RH8. Et là ce que vous allez faire, vous allez demander juste à votre ami tout simplement de rentrer dans votre véhicule. Une fois que cela est fait, c'est vraiment hyper important, vous faites vraiment la même chose que moi, d'accord. Donc c'est important, vous allez ouvrir votre menu d'interaction tranquille, d'accord. Donc là ce que vous allez faire, vous allez faire vraiment les mêmes chemins d'accès que moi sur GTA 5. Voilà, n'hésitez pas à avoir un bon timing, c'est vraiment hyper important. Donc là vous allez rentrer avec votre ami dans la Elegy RH8, ouvrir votre menu d'interaction, et une fois que cela fait, vous allez tout simplement patienter 10 à 30 secondes dans le véhicule. Donc là ce que vous allez faire, c'est vraiment hyper important à la team, vous allez patienter et là vous allez lancer une activité, peu importe laquelle. Donc c'est vraiment hyper important, l'activité est en cours, donc là vous allez directement la quitter, d'accord, toujours avec votre ami dans votre véhicule, donc la Elegy RH8 en l'occurrence. Donc là ce que vous allez faire, vous allez mettre une petite marche arrière, toujours votre ami dans le véhicule, il a besoin vraiment de rien faire, donc c'est un solo glitch, on va pas se le cacher. Donc là vous allez rentrer dans la remorque, donc un dépôt de véhicule personnel est très approprié et très important surtout. Donc là ce que vous allez faire, vous allez pouvoir voir que vous n'allez pas pouvoir rentrer avec votre véhicule parce qu'il y a votre ami, enfin le jeu est buggé. Donc là vous allez tout simplement appuyer sur la flèche de droite, votre ami va tout simplement rentrer et sortir de votre véhicule et puis re-rentrer dans votre véhicule. Là vous allez tout simplement encore et encore mettre une marche arrière, c'est vraiment hyper important, on est en train de dupliquer son véhicule, donc c'est vraiment un gros glitch. Donc là ce que vous allez faire, vous allez prendre votre Elegy RH8, vous allez vous diriger vers le casino, d'accord, c'est super important, et vous allez rentrer dans le parking. Donc là vous allez tout simplement, c'est vraiment hyper important, vous préparer, donc rentrez bien dans le menu de la PS4, d'accord, vous allez dans le menu de la PS4 et vous relancez votre jeu. Donc une fois que vous avez relancé votre jeu, vous allez voir que vous serez rentré tout simplement dans le parking, mais ça va vous faire ressortir comme dans la vidéo avec toujours votre ami en tant que passager dans votre véhicule. Donc là ce que vous allez faire, votre jeu sera totalement frisé, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Donc là vous allez tout simplement patienter à 30 secondes à une minute malheureusement, d'accord. Donc pour ce glitch il est hyper facile, mais le petit bémol c'est tout simplement de patienter, d'attendre les écrans de chargement, etc. D'accord, donc mettez un maximum
de pouces bleus, c'est conseillé les potes, ça sera vérifié, comme je vous l'ai dit, 150 likes en moins de 24 heures, c'est hyper important. Donc là, vous allez tout simplement patienter avec votre ami. Donc votre jeu est toujours en train de bugger, mais vous allez voir la neige tomber, vous allez voir les turbos qui seront activés. Franchement, il n'y a pas de souci. Donc en plus, pour ce glitch qui est pas mal, c'est qu'il vous faut la Eggie RH8 qui est totalement gratuite. D'accord ? Donc franchement, en soi, on va pas se le cacher, c'est vraiment énormissime. Donc là, malheureusement, il faudra attendre. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, 30 secondes à 1 minute. Donc ça peut être 1 minute 10, 1 minute 30. Et au bout de moins de 2 minutes, vous inquiétez pas, ça va le faire. Franchement, il n'y a pas de souci. Mettez votre pseudo dans l'espace commentaire, c'est vraiment hyper important pour que je vous tire au sort pour les lobbies ou des sharkards, comme vous voulez, d'accord? Donc au bout de 1 minute 10 exactement, mon ami est tout simplement sorti de mon véhicule, et vous allez voir, ça va vous faire rentrer dans le parking. Là, ça va vous mettre un message d'alerte, vous allez l'accepter directement, là vous serez totalement buggé, vous faites start en ligne, et là vous allez aller dans le pack d'entrée du monde criminel. C'est hyper important, mettez un maximum de pouces bleus, c'est vérifié, voilà, c'est hyper important la team, on vérifie tout sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez quitter le pack du monde criminel, vous allez voir que vous allez tomber, donc votre jeu est totalement buggé, je vous l'ai dit, il est vraiment ouf ce glitch, vous allez tout simplement tomber dans le vide, vous allez attendre vraiment 10 secondes, ça va vous remettre à la normale en face du casino, et donc là, ce que vous allez faire, c'est hyper simple, d'accord? Donc là, votre ami sera toujours devant le centre d'opération mobile, d'accord? Franchement, il a besoin de rien faire, juste rentrer avec vous dans votre véhicule, et c'est tout, d'accord? Et vous donner peut-être un véhicule, d'accord? Ou vous pouvez prendre un véhicule de PNJ dans la roue, sur la route, franchement, il n'y a aucun souci. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez entrer seul avec votre ami qui est à côté du centre d'opération mobile, rentrer seul dans le centre d'opération mobile, enfin, en l'occurrence, dans la remorque. Là, vous allez avoir un chargement bizarre, donc en écran noir, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas, vous allez avoir un message d'alerte plein et vous acceptez tout, vous cherchez pas à comprendre. Là, vous serez tout simplement en vue première personne la team, donc le jeu est totalement bug, vous serez invisible. Là, vous rentrez dans le véhicule de votre ami et boum, ça va vous faire rentrer dans votre centre d'opération mobile. Et je vous souhaite une félicitation à tous parce que vous avez dupliqué le véhicule de votre ami, vous l'avez totalement gratuit. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer dans votre véhicule, d'accord, et là, vous allez ressortir sans aucun souci, sans aucun bug. Et là, boum, vous aurez dupliqué le véhicule de votre ami. Donc plus qu'à aller au Los Santos Custom, le vendre, faites ce que vous voulez, mettez dans le garage, etc. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube, ça fera vraiment super plaisir, toutes les personnes qui likeront gagneront un lobby ou des sharkards. Mettez un maximum de pouces bleus, 150 likes en moins de 24 heures, c'est le record du jour, donc on se retrouve à la prochaine, c'était Jayzor, et ciao tout le monde.